J'ai l'impression, comme beaucoup de personnes, que Disney a un peu fait n'importe quoi avec Star Wars. Pourtant, j'ai longtemps voulu défendre les nouveaux Star Wars, même si avec le temps je suis pas un gros fan des spin-offs qu'ils ont fait, bah je voulais au moins défendre la trilogie principale. Parce que j'ai bien aimé Star Wars 7, ou en tout cas je l'ai bien aimé quand il est sorti, et j'ai bien aimé Star Wars 8, ou ouais, encore une fois, j'ai bien aimé quand il est sorti. J'ai eu des premières réactions assez positives à ces deux films. J'avais même mis Star Wars 8 dans mes films préférés de 2017. Et en vrai, mon avis a pas drastiquement changé depuis. C'est pas des films que je trouve vraiment mauvais, et même les spin-offs sont pas si mauvais que ça, même si ils ont quand même beaucoup de défauts. Le problème pour moi, c'est juste que Star Wars est devenu un énorme bordel. Les films individuellement sont pas forcément mauvais, mais quand on regarde l'ensemble des films et comment ils se rattachent entre eux, bah, on se rend vite compte que ça n'a aucun putain de sens. Star Wars 7 était un film que j'ai trouvé vraiment cool, malgré son manque d'originalité plutôt évident. C'était quand même un film qui m'a beaucoup plu, je me suis attaché au personnage, j'ai trouvé que Kylo Ren était vraiment réussi en tant que méchant. Et ouais, c'était juste une expérience vraiment satisfaisante et agréable. Et même si ça a ses défauts et c'est certainement pas révolutionnaire, je trouve que ce film est un retour à cet univers qui fait plaisir et qui est très bien fait. Ensuite, en 2016, on a eu notre premier spin-off, Rogue One, qui m'avait beaucoup plu à l'époque, mais avec le recul, je suis beaucoup plus mitigé. C'est un film grandiose, on sent clairement la patte de Gareth Edwards derrière la caméra. C'est un film très bien fait techniquement, avec un super casting, mais qui a des personnages un peu creux et les dialogues sont parfois très médiocres. The question is what choice? Run, hide, plead for mercy, scatter your forces. You give way to an enemy this evil with this much power, and you condemn the galaxy to an eternity of submission. En plus de ça, le film enchaîne des références à la trilogie originelle qui sont tellement peu subtiles et forcées. Donc ouais, au final, je suis pas vraiment fan de ce film. Et je pense qu'on peut dire qu'à partir de ce moment-là, ça commençait déjà un peu à partir en couille pour Star Wars. Mais ensuite, en 2017, on a bien évidemment eu Star Wars 8, The Last Jedi. Le film qui a détruit des familles, qui a détruit des vies, qui n'a causé que du mal aux pauvres fans qui voulaient juste voir un bon film. Voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à détester la fanbase de Star Wars et j'ai l'impression qu'on parle beaucoup plus des réactions intensément négatives autour de ce film et de tout le mal qu'il a causé plutôt que le film en lui-même. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup aimé ce film la première fois que je l'ai vu, comme j'ai dit, et en vrai, même aujourd'hui, il y a toujours des trucs qui me plaisent beaucoup dedans, mais le plus gros problème, je pense, c'est qu'il est totalement incohérent par rapport au 7 et surtout qui laisse pas du tout de possibilité pour une suite. Ce film prend tout ce que le réveil de la force essayait de faire avec ses personnages et son fil narratif et en fait un peu l'inverse. Alors pourquoi pas, hein? Moi il y a des choix qui me plaisent beaucoup dedans, j'ai bien aimé ce qu'ils ont fait avec le personnage de Luke, j'ai bien aimé le côté imprévisible de l'histoire et j'ai trouvé que la relation entre Rey et Kylo Ren était vraiment très intéressante. C'est aussi un film qui est super bien réalisé, la photo se démarque vraiment des autres films de la saga avec une forte présence de rouge, la BO est super, mais encore une fois ce film n'a pas vraiment de sens dans le contexte de cette trilogie spécifique. Donc ouais, j'aime bien ce film, même si je reconnais qu'il a ses défauts. Je suis juste assez perplexe par rapport à comment il se place en tant que deuxième volet d'une trilogie. Ensuite, en 2018, seulement 6 mois plus tard, on a eu Solo, le deuxième spin-off de l'univers étendu. Ce film existe, je sais pas si vous vous en souvenez, mais je l'ai vu avec mes yeux. Solo, A Star Wars Story est un film que je trouve assez médiocre. À l'époque, j'étais un peu mitigé, mais avec le recul, j'aime encore moins ce film. Il y a quelques aspects du film qui m'ont plu, mais je trouve que c'est un film un peu inutile et oubliable. Vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait dessus à l'époque, mais ouais, j'ai pas grand chose à rajouter sur ce film, à part que c'est pas très bien et que je le reverrai sans doute jamais. Mais nous voilà donc avec un nouveau Star Wars sorti en fin 2019, qui va donc conclure cette nouvelle trilogie, et
je suis pas hyper optimiste. Le problème pour moi, comme j'ai dit, c'est que cette trilogie n'a plus aucun sens. Star Wars 8 effaçait tout ce que Star Wars 7 essayait de faire, et maintenant on dirait que Star Wars 9 essaye d'effacer tout ce que Star Wars 8 essayait de faire. Dans The Last Jedi par exemple, Kylo Ren détruit définitivement son masque, et ce personnage n'est pas vraiment le méchant du film au final. C'était un peu ambigu et je me suis dit, ok, pourquoi pas, au moins ils font quelque chose de nouveau. Mais au final, dans tout le marketing de Star Wars 9, on voit Kylo Ren reconstruire son masque et il est montré comme étant le méchant de ce nouveau film. Dans Star Wars 8, Rey est séduite par le côté sombre de la Force, mais au final, elle décide de ne pas choisir cette voie. Mais dans le marketing de Star Wars 9, ils sont genre « Ouh, elle va peut-être aller du côté sombre de la Force. Regardez, il y a un plan où elle a un double sabre laser rouge. Je suis sûr que c'est pas du tout un plan qui est juste fait pour la bande-annonce. » Enfin, il y a tellement d'incohérences entre chaque film, c'est fou. Ils ont même repris J.J. Abrams pour le réaliser, alors qu'à l'origine, c'était censé être Colin Trevorrow, juste pour prendre le moins de risques possible. Enfin voilà, j'ai juste l'impression que Disney essaye de réparer toutes les nombreuses erreurs qu'ils ont faites. Et avec Star Wars 9, ils essayent de faire un sorte de film hybride qui en même temps donne une conclusion satisfaisante à cette trilogie et aux personnages, mais en même temps un lien avec les deux précédents films. Et du coup, pour créer des enjeux qui n'ont pas du tout, ils ont fait revenir l'Empereur pour ce dernier film. Ce qui est une décision qui me plaît pas du tout. En plus de tout ça, il y a aussi la mort de Carrie Fisher que le film doit gérer et... j'ai peur que ça soit pas hyper bien fait. Donc ouais, c'est très bizarre comme situation et je pense que ce film doit tellement faire 10 000 trucs en même temps que j'ai peur que ça soit juste un bordel incohérent. Mais bon, encore une fois, je suis ouvert à ce que ce soit bien. J'ai envie de rester ouvert d'esprit, donc bon, peut-être que ça sera au moins un peu surprenant. Je sais pas, on verra. J'ai l'impression qu'à chaque vidéo, il y a une intro en voix off et ensuite ça cut à moi qui dit rien, sous-entendu genre « Ah, j'ai un avis très appuyé sur ce film !» Mais là, je sais pas quoi dire. Je sais pas par quoi commencer. Star Wars, l'ascension de Skywalker. Ce film m'a déplu, c'était un très mauvais film. Star Wars, l'ascension de Skywalker est réalisé par J.J. Abrams et les personnages principaux sont interprétés par Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Adam Driver, plein de gens connus. L'histoire va être vraiment dure à résumer, mais en gros, on va retrouver Rey, Finn et Poe pas longtemps après les événements de Star Wars 8, alors que l'Empereur Palpatine est mystérieusement de retour, et la Résistance devra donc faire face à l'Empereur Palpatine, mais aussi au Premier Ordre, une dernière fois, dans le dernier volet de la saga Star Wars et le dernier épisode de cette nouvelle trilogie. Ah oui, et il y a Kylo Ren qui est là aussi, qui est toujours genre... ah, je sais pas si je suis un gentil ou un méchant. Donc voilà, l'histoire est vraiment compliquée à résumer en deux ou trois phrases sans spoiler, mais en gros c'est ça, c'est la fin d'une trilogie quoi. J'ai pas encore passé 5 minutes à dire, je savais pas si ça allait être bien ou pas, j'étais perplexe par rapport à ce film. Enfin, je veux dire, je savais pas si j'allais aimer ce film ou pas. Et j'ai l'impression qu'on est arrivé à un stade où c'est plus du tout amusant de parler de Star Wars. Avant, c'était quelque chose qui apportait un peu de la joie aux gens. Et maintenant, ça finit toujours par parler de racisme, de féminisme et de politique. Et personne n'est d'accord et tout le monde se déteste. Et moi, j'aimerais bien juste parler de la qualité des films en tant que film et qu'il n'y ait pas de... menace de mort à qui que ce soit. Mais bref, si on met de côté tous les trucs négatifs qui sont maintenant associés à Star Wars et à Disney, si on peut juste se concentrer sur ce film et ce qui vaut en tant que film et ce qui vaut en tant que fin de trilogie, et bah l'ascension de Skywalker, qu'est-ce que ça vaut? Bah... j'ai pas détesté. J'ai pas détesté. Bon, ça commence à faire un petit moment qu'on a un film Star Wars une fois par an, et en vrai, on peut quand même reconnaître qu'à chaque fois, il y a des trucs qui sont quand même bien faits, et on retrouve des points positifs similaires dans ce film. Déjà, le casting pour la plupart est vraiment réussi. Il y a une vraie alchimie entre des personnages comme Finn et Poe. Rey et Kylo Ren ont pour moi la dynamique la plus intéressante de la trilogie, et ça continue d'être le cas ici. Daisy Ridley joue bien le côté un peu torturé, en conflit avec elle-même, qui veut rester du côté clair de la Force, mais en même temps a une relation assez particulière avec Kylo Ren. Et Adam Driver, de son côté, est juste
un acteur incroyable et c'est peut-être mon personnage préféré de cette trilogie. Malgré les quelques problèmes qu'il y a avec leur personnage, ça on en reviendra après, les acteurs sont vraiment bons et dès que l'histoire te laisse juste respirer un peu et que les acteurs interagissent entre eux, bah ça fonctionne super bien. Au final, je pense que j'aurais bien aimé que ces personnages soient un peu plus développés et que leurs relations soient un peu plus explorées parce que au final, sur 3 films, ils se connaissent pas tous hyper bien, donc c'est un peu dommage. Mais bon, ça on en viendra après. Et sinon, ça peut paraître évident de dire ça, parce que c'est un Star Wars fait par Disney, et qu'il a un énorme budget, mais vraiment, ce film, visuellement, est super beau à regarder. Bien évidemment, les effets spéciaux sont vraiment réussis, il y a un bon mélange entre le CGI et les vrais environnements, les vrais décors, mais ce film a vraiment sa propre identité visuelle. Les plans sont parfois énormes et te laissent vraiment rentrer dans l'atmosphère du film. Il y a beaucoup de plans grandioses qui me restent encore en tête, et il y a aussi une grande présence de bleu qui est assez marquée, plus que dans les autres films en tout cas. Il y a un jeu sur les ombres, sur la lumière sombre et les environnements très très grands avec nos personnages qui paraissent minuscules, qui est très appuyé et marche vraiment bien. Je pense notamment à une séquence vers le début du film, mais ouais, franchement ce film visuellement se démarque beaucoup et très stylisé et c'était un pur plaisir à regarder. Je pense qu'il n'y a pas un plan qui était moche. La BO est vraiment cool aussi. Bien évidemment, il y a plein de thèmes et de motifs qui sont repris, surtout de la trilogie originale, mais ça fonctionne quand même super bien. Ça aide à créer un lien entre les personnages et les thématiques de ce film. Après, je pense que les seuls nouveaux thèmes qui m'ont plu ou un peu marqué, c'est le thème de Rey et le thème du Premier Ordre, mais c'est quand même des thèmes qui fonctionnent bien dans cette trilogie. Et même si c'est que deux thèmes qui m'ont énormément marqué, bah la musique est quand même bien et rajoutait quand même pas mal de caractère au film. Tout à l'heure, j'ai parlé du casting et parmi tous les nouveaux personnages, on retrouve aussi quelques personnages de la trilogie originale, enfin du moins ceux qui restent, notamment du coup Carrie Fisher, enfin plus exactement des scènes coupées de Star Wars 7 qui sont réutilisées pour que ça corresponde au contexte de ce film. Alors il y a eu beaucoup de rumeurs et de théories sur Carrie Fisher dans ce film et maintenant que le film est sorti, j'ai vu pas mal de trucs assez négatifs sur internet sur son inclusion et en vrai, en considérant les circonstances dans lesquelles le film a été fait avec Carrie Fisher du coup, bah j'ai trouvé son inclusion plutôt pas mal, si on prend ça en compte. Ça devait être horriblement compliqué de gérer tout ça, et en même temps d'être respectueux envers Carrie Fisher, mais en même temps de juste être un peu cohérent. Et puis ouais, je pense que j'ai pas grand chose de mal à dire sur ce film d'un point de vue technique. Je pense que techniquement, tout est bien, voire très bien fait. Les problèmes viennent juste de partout ailleurs, en fait. Alors j'aimerais juste redire que ce film m'a pas déplu, c'était pas un très mauvais film. J'ai l'impression qu'en parlant de Star Wars, si on dit trop de positif, on se fait défoncer. Si on dit trop de négatif, d'un côté, on se fait défoncer aussi. Ça fait depuis Star Wars 7 qu'il y a un nouveau Star Wars toutes les fins d'année, à l'exception de Solo du coup. Et en vrai, c'est toujours une tradition de fin d'année qui est assez sympa, en même temps que Noël, il y a un nouveau Star Wars. Et pour moi, c'était toujours un peu intéressant d'en parler sur internet ou de voir ce que les gens en pensent. Donc voilà, j'ai pas envie d'être horriblement négatif, je me considère quand même comme un fan de Star Wars. Quand j'étais petit, j'adorais la trilogie originale, les jeux, Lego Star Wars, ça fait tellement partie de mon enfance. J'ai jamais vraiment aimé la prélogie, même enfant, mais j'aime beaucoup la série Clone Wars. Donc voilà, j'ai pas juste envie d'être horriblement négatif et de faire une vidéo déprimante où je défonce ce film. Mais j'ai pas juste envie de me dire que c'est pas grave si ces films sont pas très bien écrits parce que c'est Star Wars et qu'il y a des références à la trilogie originale et que j'aime bien Star Wars. J'ai quand même envie de juger ce film en tant que film et force est de constater que c'est un peu le bordel. Ce film est par moments vraiment un gros bordel incohérent. Après, c'est un film de J.J. Abrams, donc ça va vite, c'était très divertissant, c'était sympa à regarder, mais quand tu te poses et tu réfléchis 3 secondes et quand tu penses à comment ça se rattache aux deux autres films dans cette trilogie, bah ça a pas vraiment de sens. Déjà, problème numéro 1, ce film va beaucoup trop vite. Le film essaye de faire trop de choses en même temps et il les fait trop rapidement. Le film doit conclure tous les arcs de nos personnages principaux de cette nouvelle trilogie, comme Rey et Finn. Le film doit répondre à de nombreuses questions qui n'ont toujours pas eu de putain de réponse alors qu'on est au 3e volet de la trilogie. C'est fou quand même. Notamment des trucs par rapport à Rey. En plus de ça, il y a le retour de l'empereur Palpatine qui doit être expliqué et conclu dans le même film. Et en plus de tout ce bordel, il y a des nouveaux personnages qui sont introduits. Donc ça fait beaucoup pour un seul film. Et c'est pas vraiment étonnant que
ça n'a pas vraiment de sens. Déjà, Star Wars 7 avait un peu ce problème, mais je pense que c'était beaucoup moins grave pour ce film, parce que c'était le début d'une nouvelle trilogie, ça introduisait plein de nouveaux enjeux, il y avait plein de petits mystères qui étaient établis pour être résolus dans les films d'après, et c'était juste un retour à cet univers, donc ça m'a pas forcément dérangé que ce film soit rythmé comme ça, mais pour Star Wars 9, je trouve que c'est vraiment un problème. C'est un problème parce que le film te laisse jamais vraiment respirer, et au final, tu comprends pas vraiment les motivations des personnages. Il y a des motivations qui sont vaguement dites, mais dès que les personnages commencent à dire des choses un peu personnelles, la scène est littéralement interrompue. Dès qu'il y a des moments qui pourraient être un peu touchants, ou un peu drôles, ou juste qui en disent plus sur les personnages, c'est littéralement interrompu par des explosions ou des méchants qui viennent les poursuivre. Comme si J.J. Abrams se disait que si il se passe pas quelque chose toutes les 5 minutes et qu'il n'y a pas un danger constant et que les personnages sont constamment en train de fuir pour leur vie, bah le public s'ennuierait, alors que... Bah non, au contraire, s'il y a toujours du danger, bah tu comprends pas vraiment pourquoi les personnages fuient, et au bout d'un moment ça devient un peu lassant et tu passes plus de temps avec des explosions et des scènes d'action plutôt que passer du temps avec les personnages, comme dans la trilogie originale. Dans la trilogie originale, et puis même dans Star Wars 8, il y avait beaucoup plus de moments où tu pouvais un peu plus te poser avec les personnages et un peu respirer. Dans ce film, il n'y a jamais vraiment de moment où c'est juste deux personnages qui parlent calmement, tranquillement, à échanger quelque chose, peut-être que c'est un échange un peu triste, un peu humoristique, quelque chose qui te fait comprendre les personnages et qui développe les relations entre les personnages. Il n'y a pas de moment comme ça parce que ça bouge tout le temps et au final, t'en sors diverti certes, mais un peu confus et avec le sentiment que t'aurais dû être plus ému par le film. Et puis dans ce film, on retrouve donc l'empereur Palpatine et... ça m'a pas du tout plu comme décision. L'empereur Palpatine en lui-même m'a pas déplu, enfin je veux dire c'est le même acteur, j'adore sa voix, j'adore le design, c'est l'empereur Palpatine et c'était sympa de le revoir. C'était sympa de le revoir d'un point de vue purement de fan, mais si on réfléchit un peu aux deux précédents films, il y a rien, mais rien qui sous-entendrait que peut-être depuis le début c'est l'empereur Palpatine. À aucun moment dans Star Wars 7 ou 8, il y a quelque chose qui pourrait relier ça à l'empereur Palpatine. Ça sort de nulle part et j'ai trouvé ça très mal écrit. Sincèrement, est-ce que vous pensez qu'en, je sais pas, 2013, 2014, quand ils faisaient Star Wars 7, ils se sont dit « Ok, on va faire un film qui introduit ses personnages et ses enjeux, mais ensuite on va faire totalement l'inverse dans la suite et dans le dernier film on va faire revenir l'empereur. » Est-ce que vous pensez vraiment qu'à partir de Star Wars 7, ils avaient prévu de faire revenir l'empereur dans Star Wars 9? Moi je pense que non. Moi je pense que clairement pas du tout. Je pense que Disney n'ont rien prévu à l'avance et que ça se sent parce que cette trilogie n'a aucun putain de sens. Rian Johnson et J.J. Abrams sont clairement deux réalisateurs très différents qui ont une vision très différente de Star Wars et ça se sent. Ça se sent parce que Rian Johnson essayait de faire quelque chose dans Star Wars 8 et que J.J. Abrams essaye de... faire comme si ça s'était pas passé et de corriger les trucs qu'il aimait pas. Et déjà de base, Rian Johnson essaye un peu de corriger les trucs qu'il aimait pas de Star Wars 7, de J.J. Abrams, donc au final c'est comme si c'était une trilogie sans deuxième acte, ou alors que un deuxième acte et pas de premier ou de troisième acte. Et je dirais qu'au final ce film ne fonctionne pas vraiment en tant que fin de trilogie. Je déteste cette manière de raconter une histoire où à la fin de ton histoire tu fais juste « Hey, en fait depuis le début c'était ça !» Alors que clairement ils avaient pas du tout prévu de faire ça et ils ont juste pensé ça à la dernière minute et ils se sont fait « Ah, vous le saviez pas, mais c'est l'empereur qui est derrière tout ça !» C'est tellement mal écrit, sérieux. C'est juste que Disney ont fait n'importe quoi avec Star Wars, ils sont arrivés à un stade où, ah, pour le dernier film de notre trilogie, on n'a pas d'enjeu. Du coup, on va faire revenir un personnage de la trilogie originale, même si ça n'a pas vraiment de sens, parce qu'il est tombé dans l'étoile de la mort qui a explosé, vraiment, il restait rien. Alors que dans ce film, il y a ce genre, non, il reste plein de cendres de l'étoile de la mort, regardez sur cette planète. Bon, une incohérence de plus dans cette nouvelle trilogie. Et en plus, ça minimise un peu le sacrifice de Darth Vader dans Star Wars 6, et ça retire beaucoup de poids dramatique à cette fin, qui était quand même assez touchante. Donc bon, ça gâche pas mal de trucs. Et en plus de ça, il y a donc les nouveaux personnages, qui sont sympas. Il y a d'ailleurs Naomi Miyake de The End of the Fucking World qui est dans ce film. Super série, elle était super bien dans The End of the Fucking World, vous pouvez aller voir la vidéo que j'ai fait dessus. Mais là, son personnage est clairement sans intérêt. J'aime bien l'actrice, mais elle est pas plus développée que ça, déjà que ce film essaye de gérer trop de choses en même temps.
Je sais pas si c'était entièrement nécessaire de l'avoir dans ce film. Comme j'ai dit, on retrouve aussi quelques personnages de la trilogie originale, comme la princesse Leia, mais aussi R2-D2, C-3PO et Chewbacca, et c'était un plaisir de les revoir. Après, c'est sûr que leurs dialogues sont beaucoup plus faciles à écrire, et beaucoup plus dur à rendre incohérent, donc c'était tout de suite sympa de les revoir. C'était vraiment sympa de les voir dans ce film une dernière fois, notamment C-3PO qui est vraiment drôle dans ce film. Et j'ai failli oublier, il y a aussi Lando Calrissian qui est dans ce film. Il était dans beaucoup des bandes annonces et c'était un peu censé être « Waouh, Lando est de retour !» Il est dans 5 ou 10 minutes du film, pas plus. C'était sympa de revoir Billy Dee Williams dans ce rôle, mais on va être honnête, il sert pas à grand chose dans ce film. Je pense qu'ils ont tourné ces scènes sur peut-être une semaine. Et puis dans le fond, ce qui est vraiment décevant, c'est que ce film n'est pas du tout une conclusion satisfaisante pour une saga aussi énorme qui est Star Wars. Surtout par rapport aux nouveaux personnages, parce que les personnages de la trilogie originale ont déjà eu leur arc narratif, donc ça, à la limite, c'est moins grave. Mais pour des personnages comme Rey, Finn et Poe, bah, ils passent beaucoup de temps ensemble dans ce film, mais quand tu repenses aux deux précédents films, bah, ils se connaissent que depuis genre quelques jours, quelques semaines. C'est pas très profond comme relation, ça a jamais vraiment été développé, et dans ce dernier film, ils essayent de faire genre « Ah non, mais depuis le début, ils sont potes !» Alors que bah, ça a jamais vraiment eu le temps de développer. Finn, on sait pas trop quelle est sa motivation, il aime bien Rey et il veut la sauver. Rey, elle est un peu en conflit avec elle-même parce qu'elle est un peu séduite par les deux côtés de la force, mais en même temps, ça fait quand même deux films qui se passent la même chose avec Rey. Poe non plus, Oscar Isaac, c'est un acteur hyper charismatique que j'aime beaucoup, mais il a rien à faire, il a pas vraiment de motivation, son personnage est pas hyper défini, et au final on se retrouve avec des personnages qui sont attachants et divertissants de surface, mais au final, t'as pas plus appris à les connaître que ça. Bon, je pense que maintenant je vais rentrer dans la partie spoiler de la vidéo. Du coup, si vous avez pas encore vu le film et vous voulez pas vous faire spoiler, vous pouvez sauter à ce moment dans la vidéo. Si vous sautez à ce moment, il y aura plus de spoiler. Mais maintenant, je vais dire des trucs très spoiler dans 3, 2, 1. Du coup, ce film est censé répondre à toutes les questions qui n'ont pas vraiment eu de réponse dans Star Wars 7 et dans Star Wars 8. Ou alors, c'est surtout que J.J. Abrams aimait pas les réponses dans Star Wars 8 et il essaye de les changer dans ce film. Il y a plein de petits trucs qu'on apprend dans ce film, mais le gros plot twist, c'est que l'empereur Palpatine est en fait le grand-père de Rey et que Rey est donc une Palpatine. Voilà, ça sort de nulle part, c'est pas vraiment expliqué et ça va contre ce que Star Wars 8 essayait de faire et ça m'a pas vraiment plu du coup. En mettant de côté la qualité de Star Wars 8, que vous l'ayez aimé, que vous l'ayez détesté, c'est quand même nul que ce film l'ignore totalement. C'est quand même totalement stupide que ce film faisait comme si les décisions prises dans Star Wars 8 n'ont pas vraiment eu lieu. Tout le but de Star Wars 8, c'était d'être un peu subversif. Une grosse thématique du film, c'est laisser son passé mourir. Et le plot twist du film était en fait qu'il n'y avait pas de plot twist. On apprend que les parents de Rey n'étaient pas vraiment des gens particulièrement intéressants. C'était pas des Kenobi, c'était pas des Palpatine, c'était juste des gens qui l'ont vendu. You want to know the truth about your parents? Or have you always known? You just hidden it away. You know the truth. Say it. Say it. They were nobody. They were filthy junk traders who sold you off for drinking money. The dead in a pauper's grave in the Jakku desert. Et c'est un peu étonnant, ça sort de nulle part, mais en même temps c'est intéressant, tu dis ah qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va y avoir un sorte de mélange Jedi Sith hybride? Est-ce que Kylo Ren et Rey vont former une alliance et ça va être différent de la dynamique entre Luke et Vador dans la trilogie originale? Est-ce que ça va enfin être quelque chose d'un peu nouveau dans Star Wars? Et même si j'ai mes réservations sur Star Wars 8, c'est quand même le truc qui m'a beaucoup plu dans ce film et je me suis dit, waouh, c'est quand même quelque chose de nouveau qui m'a surpris. Et dans ce film, il ignore totalement. Alors ouais, Rey, tes parents étaient des gens pas gentils, mais en fait, si, ils étaient gentils, c'est juste qu'ils ont choisi de te vendre pour te sauver parce qu'en fait, ton grand-père, c'est Palpatine. Enfin, clairement, J.J. Abrams voulait faire un plot twist un peu comme ça et Rian Johnson voulait faire le contraire et du coup, ces deux films vont pas ensemble et je trouve que ce plot twist est très malvenu. Je pense que la seule chose qui se finit de manière un peu satisfaisante dans ce film, c'est la relation entre Rey et Kylo Ren. Parce que dans cette trilogie, il y a quand même aucune relation amoureuse, enfin il y a aucune romance.
Et d'un côté, c'est bien que ça soit pas trop cliché, que ce soit pas juste Rey qui tombe dans les bras de Finn dès le premier film. C'est bien que ce soit pas juste des princesses Disney, mais en même temps, c'est quand même des humains qui, en théorie, sont peut-être attirés l'un par l'autre ou qui peuvent commencer à ressentir des sentiments. Et il y avait quand même un truc un petit peu ambigu entre Rey et Kylo Ren. Et au final, ils s'embrassent et puis après il meurt. Je me répète un peu, mais la fin avec Rey et Kylo Ren qui décident enfin de faire alliance était vraiment satisfaisante et chouette à regarder. J'étais content qu'il y ait une forme de rédemption pour Kylo Ren. Et ouais, c'était niais, mais moi j'ai bien aimé. Et c'était plutôt bien amené parce que c'était établi dans les deux précédents films, donc c'est plutôt cohérent que ça se passe là. C'était une conclusion satisfaisante pour ces deux personnages dans un troisième acte qui est très bordélique avec l'empereur Palpatine qui envoie des énormes lasers bleus dans l'espace et il y a des vaisseaux qui viennent de partout que Palpatine a recruté, on sait pas trop comment c'est possible, sauf que la résistance a amené plein d'autres vaisseaux spatiaux de partout dans la galaxie, on sait pas du tout comment ça s'est passé, rien n'est expliqué. Si on commence à parler des incohérences de ce film, on va y être très longtemps. Mais c'est alors que Rey est allongée par terre et elle entend toutes les voix des autres Jedi et elle se dit, ok, je vais prendre mes deux sabres laser et je vais définitivement mettre fin au règne de l'empereur Palpatine. Voilà, c'était un troisième acte avec beaucoup de CGI, beaucoup d'incohérences, qui était divertissant, mais au final, ça me rend triste de dire ça, mais c'était quand même très très similaire à un Marvel. Ça faisait quand même pas mal penser à Avengers Endgame, qui est pas un film qui me déplaît, mais Marvel et Star Wars, pour moi, c'est vraiment deux choses très très différentes, et j'ai pas envie que les deux se mélangent, alors que Disney essaye d'un peu Marveliser Star Wars, et ça me plaît vraiment pas du tout, parce que après, j'ai honte de dire que j'aime Star Wars. Franchement, je pourrais parler de tous les petits trucs qui se passent dans l'histoire, mais ça servirait pas à grand chose, je pense que c'est tout ce que j'ai à dire sur la partie spoiler de cette vidéo. Je sais pas quoi penser de Star Wars 9 au final, ça m'a pas déplu, il y avait des parties qui étaient assez jouissives et qui retrouvaient un peu l'âme de Star Wars, mais c'est dans un gros bouillis de J.J. Abrams, de scènes qui vont trop vite, de trop de personnages, de l'empereur Palpatine qui revient, mais on comprend pas pourquoi. Ce film est bourré d'incohérences et c'est un peu le bordel scénaristiquement. Je repense à quand j'avais 14 ou 15 ans et que je suis allé voir Star Wars 7 et que j'avais adoré et que j'avais plein d'espoir pour l'avenir de Star Wars. Je me disais, waouh, il y a tellement de mystères dans ce film, je me demande comment ça va se finir, je me demande comment Star Wars 8 va se passer et comment Star Wars 9 va conclure cette saga, je me demande ce qui va se passer dans les spin-offs. Au final, maintenant, quelques années plus tard, j'ai vu cette nouvelle trilogie, j'ai vu ces trois films et bon, c'était quand même un peu décevant. Donc bon, tout ça pour dire que Star Wars 9 n'est pas non plus un très mauvais film. Le casting est réussi, le film est super impressionnant visuellement, avec une BO toujours aussi bien, et ouais, de manière générale, c'est un film de J.J. Abrams, donc ça reste très divertissant. Mais c'est juste que ce film est très représentatif de l'état totalement bordelique de Star Wars, ou du moins ce que ça en est devenu avec Disney, avec des spin-offs pas hyper utiles, et une trilogie principale qui se contredit tout le temps. En plus de ça, ce film a tellement d'incohérences, il y a des moments dans le scénario qui sortent de nulle part, et il y a plein de moments qui sont juste pas très bien écrits. Ce film a aussi des gros problèmes de rythme, il y a jamais vraiment de moment où tu peux juste te poser avec les personnages et comprendre leur motivation. Il se passe beaucoup trop de choses trop rapidement, ce qui fait qu'au final, ce film perd un peu de son poids dramatique. Au final, quand on se dit qu'on arrive à la fin d'une nouvelle trilogie Star Wars et que ce film en est la conclusion, je peux juste pas m'empêcher que d'être un peu déçu par le manque de vision créative de Disney pour cette nouvelle trilogie et à quel point ce film est une conclusion assez décevante pour une saga comme Star Wars qui est aussi énorme et qui me tient quand même pas mal à cœur. Merci d'avoir regardé et bonne année 2020, c'est très bizarre de se dire que c'est une nouvelle décennie. Parler de ce film m'a franchement fatigué. Ça fait depuis Star Wars 8 et même avant que je vois pas mal de vidéos sur YouTube qui disent comment Disney a détruit Star Wars et pourquoi maintenant j'en ai marre de Disney. Et à chaque fois j'étais genre non mais les gars, voyons voir ce que Disney veulent faire avec cette trilogie et puis après on évaluera si c'est bien ou pas. Mais ça sert à rien de dire j'en ai marre de Star Wars au bout de un ou deux films. Enfin, faudrait au moins voir ce qu'ils vont faire. Et maintenant que j'ai vu ce qu'ils ont fait, bah, c'est triste, mais j'en ai quand même marre de Star Wars, j'en ai marre de voir des films Star Wars, j'en ai marre d'en parler, et je pense que je vais prendre
une pause de Star Wars et regarder d'autres films plutôt. Ce qui est quand même un peu triste parce que c'était pareil pour DC, j'avais beaucoup d'espoir et puis après c'était très décevant et ils ont jamais vraiment fait des bons films après. Du coup j'ai abandonné et Star Wars pareil, j'avais beaucoup d'espoir et ils ont fait beaucoup de films et au final c'était un peu décevant et maintenant j'ai abandonné et je suis vraiment en saturation de Star Wars. Mais bon, c'est que le début de l'année, il y a encore plein de choses que j'ai envie de faire cette année. J'ai plein de projets que j'ai envie de faire en 2020 et je dis pas juste ça dans le vide comme j'ai beaucoup dit. J'ai beaucoup de choses que j'ai déjà commencé, que j'ai envie de concrétiser cette année. J'ai beaucoup de projets pour le début d'année, pour le milieu d'année et éventuellement la fin d'année, mais bon, ça on verra. J'ai une liste de projets que j'ai envie de faire en 2020. J'aimerais bien pouvoir sortir mon album cette année, enfin. Je sais pas quand ça va sortir, mais j'aimerais vraiment que ça soit en 2020 que ça sorte. Ça me ferait super plaisir. Donc voilà, je ferai des mises à jour par rapport à ça. Merci d'avoir regardé, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Twitter, Instagram, et j'ai aussi une deuxième chaîne YouTube où je fais de la musique et des films. Tous les liens sont dans la description. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut !